le retour avec la musique un peu plus violente, avec la suite du riff de Pull on Black Day de Soundgarden. Donc on avait parlé de ce morceau par rapport au riff qui tournait sur 6 temps, mais ça serait dommage de ne pas avoir la suite. Donc aujourd'hui on va travailler le pont et le solo un peu arabisant, excellent, de la bande à Chris Cornell. Donc pour ce qui est du pont, c'est une suite d'accords de quinte. Accord qu'il a déjà utilisé dans le riff de base. Donc nous sommes en mi 5, 6 5, on retourne au mi 5, on retourne au 6 5. Donc mi si mi si, un la 5, un ré 5. Donc, je refais mi si la ré, mi si la ré. Dans cet accord qu'on avait vu qui était un espèce de Do, puisque vous avez ici, voilà l'accord, hein, on était parti d'une forme de Sol, ici c'est un Do, avec les cordes à vide, donc ça fait un Do 7e majeur. Il va le séparer en deux parties, c'est-à-dire la partie grave, et après jouer tout l'accord. Donc ça nous donne ça au ralenti. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait exprès de taper sur les cordes pour que vous vous rendiez compte des notes qui sont en l'air. Faites le premier accord sur le temps, 1, 2 et 3, etc. Donc tous les autres accords sont en l'air. Il n'y a que là où on se recale. Donc rien de bien compliqué, on va aller dans le but du sujet avec la partie solo. Donc c'est parti pour le solo qui n'est pas vraiment un solo improvisé, c'est vraiment très calculé. C'est basé autour de ça comme thème. C'est du jeu en octave, donc je vous rappelle que les octaves sont ici. Donc la note grave, le si, et son octave ici. Soit 7 sur la corde grave, 9 sur la corde de ré. La difficulté dans ces plans, c'est de camoufler tout ce qui ne sert pas. L'index doit toucher les cordes. Doit toucher les cordes ré, sol, si, mi. Voire la corde de la aussi. Moi, j'arrive à toucher toutes les cordes. Et ici, on positionne le doigt bien crochu. Pour faire entendre en fait que la corde de mi, la corde de ré. Donc au niveau des coups de médiator, c'est bas au bas. C'est une croche pointée, quatrième double, et le temps d'après. Je bascule en dessous, en quarte, donc je suis en 7 et 9, mais cette fois sur la corde de La. Donc positionner l'index de façon à toucher la corde de Mi. Le bout du doigt touche la corde de Mi pour pas qu'elle résonne. Elle est pas fausse puisque c'est un Mi. Ça c'est un mi, ça c'est un mi, ça fera un mi grave, mais ça ferait des résonances dans tous les sens, donc mieux vaut éviter. Donc après je me déplace jusqu'en 11e case, 11 et 13, sur les mêmes cordes. Et dernier plan, ça fait corde de ré à vide et 14 sur la corde de sol. C'est là qu'on va avoir cette consonance un peu arabisante. Je change de doigté, je fais une basse à vide qui va me permettre de changer de doigté, c'est-à-dire je me trouvais avec l'annulaire en case 14, excusez-moi. Donc j'ai basculé ma main, basse, ré, je bascule ma main, index majeur en 15-16. Et je fais hammer pull-off. Donc hammer pull-off de 14, non excusez-moi, de 16-17, oh je fais de la merde. Retour donc maintenant sur le solo qui est basé en plusieurs parties. On va commencer avec tout le travail en octave.
Donc le travail en octave, c'est ceci. On se met en case 7 et 9 sur la corde grave et la corde de ré pour obtenir les deux mêmes notes. On camoufle toutes les autres notes qui ne servent pas avec l'index en le pliant au-dessus des cordes de façon à obtenir que ces deux cordes qui sonnent. Ok, donc c'est un mi et rythmiquement on va faire bas au bas. C'est une croche pointée, quatrième double en montant et après sur le temps. Voilà ce que ça nous donne. On n'a plus qu'à basculer en face pour un accord de mi en octave. Donc ça fait mi sur la corde de la et mi sur la corde de sol. Ok. On marquera que l'index vient toucher légèrement la corde de mi pour en l'empêcher de résonner. Ça c'est moche. Ça c'est beau. Je me décale de 4 cases. Pour finir, avec corde de ré à bide et 14 sur la corde de sol. Ça, ça va apparaître à chaque fois. On va commencer à bosser juste ça. Donc je récapitule. Un si en octave. Je bascule en mi. Ok. Et là, je suis en sol dièse. Donc commencez par ça avant d'aller à la suite. Donc voici la suite. On était positionné de cette façon, c'est-à-dire qu'on avait l'annulaire posé en 14. Je fais la corde de ré à vide qui va me permettre de basculer ma main en 16-17 avec index et majeur. Corde de ré à vide, je la refais mais en doublant avec la corde de sol. Et là, je dois faire hammer pull-off. Je vous la fais en note simple et glisser de deux cases vers l'arrière. Je le refais parce que c'était très pourri. D'accord, plus la corde de ré. Voilà ce que ça donne. Donc je récapitule, on est arrivé comme ça. Je fais la base de ré à vide pour me recaler. Et donc, une fois que je suis en 14, je reviens faire 16, 17, 19. En doublant avec la corde de ré. Sans la corde de ré, ça nous donne cette mélodie-là. Je la refais une fois. Avec la corde de ré. Et la sortie, c'est ça. 17, 16, 14. Je refais au ralenti la base de ré à vide. Donc, le plan complet. Dernière partie qui va répondre aux mêmes règles. Je recommande donc cette partie là donc on a simplement changé une note, on a répété la phrase qui faisait ça. Je vous la fais sans la corde de ré. Donc j'ai changé le 19 en 16, le hammer pull off slide. 16, 17, 19, même chose, mais avec le 16 en réponse au lieu du 19. Donc je refais. Je repars avec le plan 19 et la sortie. Donc pour la sortie, je fais 17, 16, 14, 12, 11, et je vais repartir au. Donc récapitulons tout. Première partie. Je la double. Je repars. Variante.
Voilà, à vous de jouer, vous avez la partition à la fin de la vidéo. C'est un petit peu de boulot, mais ça sonne monstrueux. Donc vous devriez vous en sortir avec un peu de taf. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao.